Donc, bonjour, bon lundi. J'espère que vous êtes en forme. Donc, salut mon minou. Salut Mia. Elle est drôle, elle est sur la table. Ah, et elle a bien d'énergie, elle, un matin, même si elle s'est levée à 6h30. Hein? Des fois, je la regarde, je suis comme j'aimerais ça avoir cet âge-là. On dirait que c'est inépuisable. Donc, on est combien de jours aujourd'hui? On est le dixième jour. Dixième? Déjà. Imaginez, 10 jours déjà. Qu'on se connecte ensemble, qu'on évolue ensemble, c'est incroyable. Donc, ce que j'aimerais aujourd'hui vous poser comme question, et là, vous devez mettre vos doigts à profit, OK, sur votre clavier ou sur votre selle. J'aimerais ça que vous me marquiez en commentaire la chose que vous avez appris sur vous-même depuis les 10 derniers jours, OK? Donc, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être quelque chose que vous avez appris dans les Rhino Run, que vous avez implanté après dans les Call to Action et que vous avez été fier, vous avez été, vous êtes surpris vous-même, peu importe. Donc, je veux savoir dans les 10 derniers jours, qu'est-ce qui ressort depuis que vous avez commencé à faire les Rhino Run? Je ne me souviens même plus comment j'ai positionné ma question, mais c'était quoi que j'ai posé? Qu'est-ce que vous avez appris? C'est ça. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même? Mon corps est résilient. Me faire confiance. J'avais beaucoup de difficultés à avoir des conversations. Donc, je suppose que Daniel, maintenant, tu es plus à l'aise si tu dis ça comme ça. Je suis capable de rester engagée, clairement. Je lâche doucement des résistances. J'adore, j'adore. Moi, honnêtement, c'est encore par rapport un peu à ce que j'ai appris sur moi en Alberta en lien avec le leadership. Je réalise qu'on a vraiment un beau leadership dans l'équipe, mais pas juste moi, mais tout le monde également. Puis ce que j'aime de ces calls-là jusqu'à présent, c'est que je vois qu'il y a des gens qui step up, qui ressortent, qui demandent, qui veulent s'impliquer. Donc pour moi, ça signifie que l'intention derrière les Rhino Run, c'était d'élever le leadership et de vous voir aller, de vous engager. Et juste d'être là à tous les jours, pour moi, ça fait partie du leadership. On commence à se leader soi-même d'abord et avant tout. Donc, je trouve ça cool de voir qu'en 10 jours seulement, on a déjà évolué autant. Puis peut-être que vous vous en rendez même pas compte, mais vous avez déjà évolué, clairement. Combien ici, dans leur vie, ont tenté de commencer quelque chose et ont abandonné après 3 jours? Regardez le nombre de mains qui se lèvent. Bien là, dites-vous que ça fait 10 jours que vous êtes là. Fait que déjà, vous avez brisé peut-être un pattern d'engagement que dans votre passé, vous aviez souvent le fait d'abandonner. Fait que déjà là, tape dans le dos, good job. Fait qu'aujourd'hui, c'est Ed, le grand Ed, le Manitou, qui se connecte avec nous, qui nous parle du MVP Factory. Donc ça, ce que ça veut dire en fait, c'est que le MVP Multiplier qu'on a accès, oui, quand on commence dans les 30 premiers jours, mais aussi à tous les mois. C'est vraiment une belle machine de guerre et j'ai envie de l'amener comme ça pour avoir une business en santé. Donc, comme Ed, sa force, c'est vraiment le plan de compensation, tous les petits détails, le MVP. On s'est dit que pourquoi pas commencer le mois de septembre, le 6 septembre, en parlant de ça, parce que tout le monde ici, OK, même si on est le 6 septembre, au contraire, on est juste le 6 septembre. Tout le monde ici a l'opportunité, pas une chance parce qu'il faut travailler pour l'avoir, mais tout le monde ici a l'opportunité de faire et de réussir son MVP Multiplier si vous mettez bien sûr de l'effort, de la constance et de la détermination. Donc, sans plus tarder, je te passe la parole, Ed. Let's go! All right. Merci, maman. Je suis content d'être de retour avec vous. Ça fait quelques jours que j'étais un peu en sideline. Vous pouvez encore entendre un peu dans ma voix et ça se peut que je vous tousse dans les oreilles encore. Tout est parfait comme c'est. Le MVP Factory. Pourquoi c'est une pièce aussi importante de la business? Parce que le MVP est la chose la plus puissante que n'importe quel promoteur puisse faire mois après mois dans sa propre business. Pourquoi? Excellente question. En partant, premier mois en tant que promoteur, on a le GoPro et le Go MVP, le Go MVP qui est à la base de ce qu'on fait, et le
Go MVP, il est là, oui, pour nous donner un petit push au début, pour nous donner la poussée pour lancer notre business plus rapidement. Pour ça qu'il y a ce bonus-là. Mais pourquoi est-ce qu'il est maintenu mois après mois? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée? Vous pouvez l'écrire dans le chat. Nouveau client. Momentum, oui. C'est le core de la business, la constance. Créer un engagement vers ses propres actions, oui. Et pour nous, c'est un metric facile à suivre. Continuer à faire des actions personnelles, oui. Ça revient à ce que je disais d'être toujours en phase 1. Si vous voulez l'aider une équipe, vous devez être en phase 1. On se ramène à ça. Ça fait partie de rester en phase 1. Votre crédibilité courante, que vous soyez sur le terrain. Et là, en allant chercher le MVP, tout ce que vous avez nommé est excellent. Nouveaux clients, momentum, le core de la business, maintenir notre constance, créer notre engagement, continuer à faire des actions personnelles, puis c'est là, avec un bonus qui n'était pas là à l'origine dans le plan de rémunération, le MVP Multiplier, mais qui a été ajouté par la suite pour nous inciter à justement aller de l'avant, aller le chercher. Mais si vous voulez une business en santé, ça prend le MVP Multiplier. Est-ce que ça prend que vous le fassiez immanquablement tous les mois, sinon votre business va être un désastre? Non. Mais le fait que vous soyez toujours dans l'action pour aller vers votre MVP Multiplier mois après mois va vous permettre d'avancer continuellement dans votre business. Quand vous démarrez à, ça fait 5 ans, 6 ans que vous êtes dans le business, les paramètres sont les mêmes. C'est un fair game pour tout le monde, le MVP Multiplier. Minimum de 4 clients, 1600 de nouveaux volumes, dont 2000 de team volume. La façon la plus rapide d'atteindre un MVP Multiplier, aller chercher votre 4 clients et aller chercher 3 promoteurs avec un pack. Vous voulez aller vite, c'est la façon la plus rapide. Mais pour ça, ça vous prend des expériences en main, des 5 et 10 jours, comme Momo nous a dit, tellement à quel point c'est important. C'est comme ça que j'ai démarré, c'est comme ça que Mick a démarré. Mick est venu chez nous chercher un 10 jours. J'en ai versé un dans la gorge avant qu'il parte. Comme ça, il l'avait direct, tout de suite. Puis il m'a écrit plus tard, puis il a dit, « J'ai jamais fait de coke de ma vie, mais j'ai l'impression d'en avoir fait. » Mais ça a commencé parce qu'il est venu chez nous chercher un 10 jours. Et si vous voulez avoir une business qui roule avec des 5 et 10 jours, parce que ça accélère. Moi, quand j'ai commencé, je suis allé chercher mes 200 quelques servings low bord des lignes. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé, je suis revenu, j'ai passé tout le reste de mon après-midi, ma soirée, à contacter des gens pour sortir des 5 et 10 jours. J'en ai livré ou posté un total de 19 le lendemain matin. J'ai manqué mon GoPro. Je suis allé chercher mon MVP 3 jours plus tard, 3 jours après avoir manqué mon GoPro. Parce que j'ai créé ce momentum-là. Ayez du produit en main, allez chercher votre MVP, 1600 de nouveaux volumes, 2000 de team volume, 4 clients. Et recréez ça dans vos équipes. Pourquoi? Tout le monde toujours en action. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une autre partie quand on démarre en tant que promoteur. On a le GoPro, Go MVP, puis il y en a un troisième. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient c'est quoi? Yes, le Go All-Star. Dans vos 120 premiers jours en tant que promoteur, aidez 5 personnes à aller atteindre leur MVP. Puis vous allez chercher un bonus de 1000 $.
c'est là. Pourquoi? Pour nous aider à démarrer, à devenir un MVP Factory, une usine à MVP. Sans compter que vous avez aussi des bonus à chaque fois que vous aidez quelqu'un à atteindre le MVP. Oui, 120 premiers jours. Exactement. Puis, est-ce que c'est le fun, les bonus? Oui. Et ça, c'est juste une façon que la business nous récompense pour qui on est. On ne va pas faire ces choses-là pour le bonus. On peut l'avoir comme objectif. Mais pourquoi c'est là? Pour la différence que ça fait dans les gens dans notre équipe. De démarrer et avoir le soutien pour aller chercher le MVP. Puis, pour plusieurs personnes, regardez un rang, que ce soit le rang 4 à 10 000 points, le rang 5 à 20 000 points, le rang 6 à 30 000 points. Ça peut paraître énorme. Je ne sais pas pour vous, mais si je regarde dans mon mois et je me dis, je dois faire 30 000 dans mon mois pour maintenir mon rang 6, pensez ça. Exactement. Moi, si tu penses à rang 8, à 250 000, mais c'est parce que si tu penses à ça, je dois faire 250 000, c'est énorme. Il y a peut-être Jesse Lee qui va chercher ça avec juste des clients dans un mois, et encore là. Mais si je me dis, attends un peu, mon rang 6 de 30 000, c'est moi plus 14 personnes dans mon équipe qui ont travaillé fort pour notre MVP tous ensemble puis on collabore. Est-ce que ça enlève un peu de pression? Voir ça comme ça? Oui. Et c'est là l'importance de focusser sur le MVP et à devenir un MVP Factory parce que là, cette duplication-là, cette duplicabilité qu'on s'entend, c'est une des choses les plus importantes qu'on puisse avoir dans notre business, elle devient un roulement naturel. Ce qui nous permet de non seulement avancer, nous propulser nous-mêmes dans notre business, propulser chacune des personnes qui font partie de notre équipe, et à l'intérieur de ça, on peut atteindre nos objectifs en les aidant à atteindre les leurs. Puis là, c'est pas fini. Parce que quand vous êtes rang 7 et plus, vous avez le ownership pool, qui est une partie extrêmement intéressante du plan de rémunération. C'est-à-dire, à partir d'un rang 7, vous avez, avec un minimum de 800 de nouveaux volumes, vous avez un share du 1% de la croissance de la compagnie. Toutes les rangs 7 ont un share. Par contre, si vous avez 1600 de nouveaux volumes, ça vous donne deux shares. 1600 de nouveaux volumes. C'est étrange à quel point c'est le même volume que le MVP Multiplier. Prenez l'habitude tout de suite. Quand vous allez être rang 7, vous allez même pas avoir à cligner des yeux et ça va être fait. Vous allez avoir vos deux shares dans l'ownership pool. Et ensuite, quand vous êtes rang 8, vous avez aussi un ou deux shares du ownership pool de rang 8 et ça vous donne des shares du pool de rang 7 aussi. Et ainsi de suite. Rang 9, rang 10, legend. Mais tout ça, ça part de votre grand MVP. En faisant
votre MVP Multiplier à tous les mois. Vous avez une business en santé qui évolue et vous vous préparez pour maximiser le plan de rémunération en tout temps. Est-ce que c'est grave de ne pas l'atteindre à chaque mois, comme j'ai dit tantôt? Non, absolument pas. C'est un objectif. Est-ce que si vous vous donnez un objectif de faire 500 000 pas dans un mois et que vous ne l'atteignez pas, mais que vous avez marché à chaque jour, ça compte quand même? Oui, c'est ça l'idée. Soyez en phase 1, soyez en action à tous les jours et ayez comme objectif le MVP Multiplier. Je sais qu'il y a des gens qui, pour le mois d'août, ils l'ont eu à 10h30 le soir, le 31, un MVP Multiplier. Jusqu'à la dernière minute. Puis, l'important, c'est de revenir phase 1 et viser le MVP Multiplier. Et toujours regarder le MVP et où vous en êtes comme ce que c'est. Pas comme on est rendu le 22, vous avez 300 de nouveaux volumes. Oh my God, je suis tombé pas bon, j'ai juste 300 de nouveaux volumes. Non! Tapez-vous pas sur la tête! C'est juste pour vous dire, hey, je suis à Magog, je veux aller à Québec, je suis rendu à Drummondville. OK. C'est juste tout ce que je suis. C'est la même chose. C'est une mesure. Vous regardez où vous êtes, vous savez ce qui vous manque. Parce que si vous pouvez savoir où vous êtes, vous pouvez savoir ce qui vous manque. Puis, dans votre business, si vous avez cette mentalité de la duplication du MVP, à un moment donné, vous allez voir des gens que vous ne connaissez pas dans vos structures, qui vont être atteindre leur MVP mois après mois, puis c'est juste parce que votre culture l'a amené là. Et c'est là que vous avez vraiment une puissance de créer un résiduel qui est un legacy. Je me disais, c'est mon cue pour reprendre la parole, ça? Mais c'est vraiment bien apporté. C'est ça, je suis avec Camille en ce moment, puis elle me disait, hey, je trouve que c'est bien apporté justement de voir ça en plus petits objectifs, si je peux dire ça comme ça, mais de voir ça aussi que c'est un travail d'équipe, puis que si tout le monde, on se met dans l'idée d'essayer, parce que c'est un processus, OK, je vais dire le mot essayer pour ça, mais d'essayer d'avoir la MVP, ben, ça fait en sorte qu'on a tout le monde le même but. C'est vraiment motivant. Puis Jessie Lee, elle dit toujours, vous voulez créer une armée de MVP et de rang 2 pour commencer. Puis quand ces gens-là vont être rang 2, puis rang 3, puis rang 4, ben, ça va être à eux de l'enseigner à d'autres. Fait que tu sais, souvent, quand on a un nouveau promoteur dans notre équipe, on ne sait pas trop par où commencer, on est mêlé, on dit trop de choses, pas assez de choses. Ben franchement, là, quand vous avez un nouveau promoteur, vous voulez lui en dire le moins possible, les mettre dans l'action en phase 1, puis leur expliquer exactement ce que Ed vient d'expliquer par rapport au MVP. C'est vraiment ça, c'est l'action qui va faire en sorte que les gens vont savoir quoi faire. Et imaginez,
si dans les 30, 90 premiers jours d'une business de quelqu'un, il est assez dans l'action pour obtenir ce succès-là. Parce que c'est un succès réussir ça, on s'entend. C'est pas tout le monde qui l'a, mais quand on l'a, on est vraiment fier. Donc, imaginez la certitude que ces gens-là vont avoir si on les met dans le succès avec ces bonus-là. La certitude envers la compagnie, le produit et envers eux-mêmes va augmenter. Et c'est là qu'avec le temps, on est capable de créer un engagement, une fierté et une certitude envers soi-même et l'engagement également à travers tout ça. Moi, je vais vous le dire, quand j'ai des nouveaux promoteurs, c'est vraiment de ça que je parle. Je ne parle pas de la plateforme, je ne parle pas du wallet, je ne parle pas des bonus, en fait, pas des bonus, mais je ne parle pas du plan de rémunération, OK? Je les mets dans l'action. Parle des ketones, vends des ketones, tu vas avoir ton GoPro, ton Go MVP. Par la suite, on parlera d'autres choses. Fait que si c'est un truc que je peux vous donner là, par rapport à ça, là, c'est vraiment intéressant. Et une autre chose que tu as dit, Ed, de voir ça comme une étape à la fois. Puis, tu sais, si tu arrives le 22 et tu as juste 300 de volume, ben, c'est toujours une question d'attitude. Dans le sens que si tu y crois, si tu le sais que tu vas le réussir, tu vas le réussir. Si vous saviez le nombre de personnes que j'ai aidées, OK, mettons qu'il y a 30 jours dans le mois, le 30 à 4 heures de l'après-midi à avoir son MVP, puis finalement, à l'heure à minuit, ça m'est arrivé, histoire vraie. OK? Fait que quand on veut, on peut. Quand on veut mettre de l'action, on a des résultats. C'est juste que c'est sûr que si vous commencez dès le jour 1 du mois à faire vos actions, ça va vous aider. OK? Ça, c'est clair. Fait que je ne sais pas si, Cam, parce que tu étais là, puis j'aimerais ça peut-être entendre ta vision des choses par rapport à ça pour closer. Et toi, tu commences à avoir une équipe. Mais moi, ce qui m'a... On s'entend. Moi, ce qui m'a vraiment parlé, c'est le même but. Dans le sens qu'on a le même but d'avoir le MVP. Puis moi, si mon but, c'est le rang 6, mais tout le monde, puis dans mon équipe, il y en a que c'est le rang 3, le rang 2, peu importe, ils n'ont pas de rang en tête. On a tout le but d'avoir des nouveaux clients. Fait qu'on a tout le but d'avoir notre MVP. Puis qui ne veut pas 250$? C'est ça. Puis je trouve ça bon parce qu'il n'y a personne qui a dit ça, avoir un bonus supplémentaire. Mais à la base, il y a aussi de l'argent en jeu. Bon, peut-être que vous allez me dire, moi, c'est pas l'argent qui me stimule. Mais comme vous le savez, hein, je trouve qu'on est tellement hypocrite avec l'argent, on en veut tout de plus, OK? Fait que, tu sais, calculez ça comme vous voulez, mais avoir 8 000$ de plus par année si vous faites toujours vos MVP, ça vaut quand même la peine. Je dis ça de même. Okay. Puis en fait, si tu fais toujours tes MVP, tu as les commissions des gens que tu as mis en MVP, fait que tu fais encore plus que 8 000. Ouais. Puis tu sais, moi, je veux dire, ça fait peut-être un an et 3 mois, 4 mois que je suis dans Prove It là, comme promotrice. Puis même si ça m'avait apporté 0$, je serais heureuse pour tout ce que ça m'a apporté. Mais je veux dire, c'est sûr que c'est un plus que ça m'a apporté de l'argent, puis c'est une motivation, puis c'est ce qui me fait voir que, OK, j'ai envie de faire à temps plein, tu sais. Mm-hmm. Clairement. Fait que voilà, je vais arrêter l'enregistrement pour ceux et celles qui nous écoutent en reprise. Ève, par contre, avant d'arrêter, as-tu un call to action pour nous? Tous un bon coup, là. J'ai 2 call to action. Oh, soyez prêts. Le premier. Et là, c'est vraiment le premier. C'est en ordre. Le premier, envoyer un texto à quelqu'un pour les remercier d'être dans votre vie. J'aime ça. Peu importe c'est qui. Peu importe pourquoi. Mais quand j'ai dit ça, vous avez tous eu une personne qui vous a popé dans la tête. Prenez le temps de lui dire merci. Deuxième chose, faites tout ce qui est dans votre possible pour qu'aujourd'hui, vous sortiez une expérience de 5 jours. Ou 10. Ça, pourquoi? Partons right dans... Phase 1. Tout le temps. Et si jamais ça ne sort pas aujourd'hui,
les conversations que vous allez avoir aujourd'hui dans cette direction-là vont vous revenir. Good. Fait qu'envoyez votre texto et faites tout en votre pouvoir pour sortir une expérience découverte de 5 ou de 10 jours aujourd'hui. Fait que sur ce, merci, Ed. Je vais arrêter l'enregistrement puis on va prendre 3 questions. C'est bon? Fait que merci à ceux qui nous écoutent. Au revoir.